أزولي ولدي توالين تي كيو 5 بي في قلت اليوم من قار سكسنت الغروية تدنت ويا كي سنت لن انتي دير بي في دارت النار أكل مزرعة مقلة النار بي فالي ثاقيا الكوفيد 19 أدنا ويا سنت لن كي إدي شودن غارو فيروس كي هي أكل مزرعة ماشي حشا حاشا إمدانن إكس نطار أو فيروس كيا مانا ولا تادا مسا نطق مظال فنطار أطاس أطاس عرضا داكاكي يوان أون الماذ ذوكو حريشاكي أون تادا مسا أنا عدي أن هضر يدي السويد من سكايب إمي كتيدير ذي تورونتو أسينيغ إماسيل أزول فلاك زمرا نخديني ذنويد ماسيل أزول في الأول بغي كنا ذو غاوة لكن دي نغتان ميرتي تيكيو سان كمي داردو دي نوفا إيجيو لكن إذن المال دي ثاس داوت من تورونتو أز قوسا إذن كارو أدفاكا الدبلومينو دي لفينانس وكذا الإكونومي نزرب ليك غلقان في سداويين غلقان لكولاف ذاقي في كندا أم كيف تديرم ثسوة ثاقي في قارم ناس تغيم يمكن دي قوخامة كم نكنير كلية مازال نتغار ما انا كوخان كان تغيمي نخدم لي كور دي الانترنت شغل فيا سكايب وكذا وكذا لي ميل فريمون اوكي ثان ميرت نوني هي غفو دي غارزني كنوي فغي غدا ويض اخد صفهمض امي كي دران تذيا يني نير كليا سكو اسمي دي فيديو يدي فدا او فيروس كيا ان كوفيد 19 ارمي يدي دران الكراش ايكونوميك زعما داك تفهمض داك كيا شويه اي بغينا ندوزو على الدنيا سمحي لي خاطر هاد الزواج هضر على الصروميث ديجا هادي في سداويث سبليزي ثلاث نخدم دونك ديجا صروميث وعرية شوية دونك لو فيروس كورونا الى كومونسي افكتي لي ريزيدون دو لا فيل دي ووهان ان شين ان ديسمبر 2019 جو فو بارتاجي ليكران اكا تولا بور فو مونتري كيل شوز جي بريباري بور فو alors le vraiment le nom COVID-19 vient de corona, le CO, le VI du virus, D pour disease en anglais, en français ça veut dire maladie, et le 19 juste pour représenter l'année 2019 parce que ça a commencé en décembre 2019. En décembre, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur le virus. La Chine, étant un pays socialiste, a décidé de limiter l'information qu'elle va donner aux Nations Unies et aux pays du monde. Un mois après, à la fin janvier, d'autres pays comme Hong Kong, la Corée du Sud et d'autres pays en Asie ont enregistré leur premier cas. Et c'est là que la panique vraiment, elle a commencé en Asie. Et tu peux voir ici par les bourses de Shanghai en Chine que les bourses ont chuté de 10%. Et si tu peux suivre ma souris, en moins d'une semaine, les bourses ont chuté de 10%, mais le reste du monde n'a pas vraiment bougé. Il est important de noter qu'à ce temps-là, c'est le nouvel an chinois. Exactement, c'était le 23 et le 24 janvier. Alors, la Chine, avec une population de plus de 1 milliard, tu peux imaginer combien de personnes ont décidé de voyager pour visiter la famille, pour visiter des amis pendant ce temps-là. Alors, vraiment, le virus corona, il est tombé vraiment dans un mauvais temps. Et la peur, c'était qu'elle s'est transmise beaucoup plus que juste la Chine. معنا لو كراشكي ضرات كان دي لاشين اس ام زوارو وقبل هذه عوضيه كوارت مراثيه اغني اغني نعم كارمي دونك il y a deux raisons un l'économie mondiale surtout en Amérique était dans un bon état mais plus important la Chine elle a pris des mesures incroyables pour contenir le virus dans la ville née de Wuhan et encore comme j'ai dit tantôt puisque c'est un pays socialiste ils sont capables de faire des mesures comme ça alors vraiment on a vu vraiment le nombre de nouveaux cas je les ralentir encore suivez ma souris tu vois ici le 15 du 18 février le nombre de cas elle a ralenti vraiment mais exactement le 21 février on a vu une nouvelle est sortie dans le monde qui dit qu'il y a beaucoup de cas qui ont été enregistrés en Europe en Italie et en Iran et juste après ça tu peux voir vraiment le nombre de cas accéléré après ça encore tu peux suivre ma souris pour voir ça et c'est là que les bourses américaines et vraiment à travers le monde a commencé à chuter. Alors le 21 février, pour être exact, tu peux encore suivre ma souris ici, les bourses ont commencé à chuter et en trois semaines, ils ont chuté de 30%. Et vraiment dans l'histoire de l'économie à travers le monde, des bourses n'ont jamais chuté aussi vite en si peu de temps.
Juste pour comparer, la crise financière de 2008, les bourses ont chuté 50%, mais ça a pris entre 9 à 12 mois pour y arriver. Alors, et en 3 semaines, on a effacé 11 trillions de dollars de gains, et ça a pris 6 ans pour accumuler vraiment la croissance économique que en 3 semaines on a effacé. Alors, c'est vraiment quelque chose d'incroyable qui s'est passé, c'était du jamais vu, et aujourd'hui, les gens, ils ont vraiment peur. يا ما فيروس ادي سهلك ولا ليكونومي زعما تقدر تفهم هذاك شويه. Et donc, vraiment, le problème que le virus cause à Giesegui, c'est que ça coupe les chaînes d'approvisionnement. En anglais, on appelle ça the supply chain. Et pourquoi aujourd'hui? Ça veut dire quoi exactement? Eh bien, ça veut dire qu'une compagnie comme Honda, qui fait des voitures, elle ne peut pas recevoir le métal nécessaire pour construire leur voiture. Ou par exemple, une compagnie comme Apple ne peut pas produire leur iPhone, leur MacBook pour vendre à des personnes comme moi et toi. Tu comprends? Alors, on a vraiment coupé cette chaîne. Un bon exemple est Amazon Prime, ok? Tu commandes quelque chose aujourd'hui et tu le reçois demain. Il y a 100 ans, 200 ans, c'est quelqu'un qui voulait quelque chose demain, qui voulait quelque chose n'importe quoi dans le monde, il devait être une reine, il devait être un roi, il devait être un empereur. On vit vraiment dans un siècle grandiose, on est tous des rois, on est tous des reines, on est tous des empereurs. On veut quelque chose aujourd'hui ou demain, on le commande sur Amazon et on le reçoit, tu comprends? Alors, pour vraiment te poser le problème, je vais te donner une petite anecdote. Imagine, ok, moi, Massil, je suis un employé dans la seule compagnie qui existe dans le monde. Alors, tu peux voir ici à travers le diagramme que je vous montre. Chaque semaine, je reçois 100 dollars pour le travail que je fais et j'achète des biens. Et les biens, ils sont produits par la compagnie où que je travaille. Ok, c'est vraiment. Et on appelle ça la machine économique dans un modèle vraiment simplifié. Juste un employé, une compagnie, tu comprends? Alors, où est-ce que le problème il vient, ok? Et surtout, où est-ce que l'épidémie, le coronavirus, il rentre? C'est que peut-être il y a 30-50 ans en arrière, j'aurais sauvé 10, 20, 30 dollars chaque semaine en cas que je tombe dans le trouble. Mais aujourd'hui, on vit tellement dans un monde fou avec plein d'abonnements. Je dois abonner au Netflix, abonner à l'Internet, abonner les À succursales du gym consommation. avec Amazon. Exactement. Alors, tu dépenses tout le 100 dollars, tu sauves rien. Il y a même une statistique du gouvernement du Canada qui dit que 75% des Canadiens, ils sauvent 0 dollar pour des urgences comme aujourd'hui. Alors, on revient au problème. Ça veut dire que moi, Massil, si je perds mon travail demain, parce que, je sais pas, je travaille à McDonald's, ils me disent que y a personne qui va rentrer dans le magasin, alors on ne peut pas te payer. Alors, tu vois ici, je ne reçois plus mon 100 dollars, Rina. Et si je ne reçois pas mon 100 dollars, eh ben, je ne peux pas dépenser mon argent. Je n'ai rien à dépenser. Alors, il n'y a pas d'argent qui rentre dans la compagnie. Alors, ils arrêtent de produire. Leurs profits, ils chutent. Et quand les profits, ils chutent, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils renvoient leurs employés. Alors, maintenant, imagine qu'on est 10 000, 10 000, 1 million de personnes dans l'économie qui ne travaillent plus. Et on rentre vraiment dans ce cercle vicieux. Ces milliers de personnes n'achètent pas des biens dans l'économie. Les profits, ils chutent encore plus. Les compagnies peuvent même tomber en faillite et ça crée vraiment ce cercle vicieux qu'on peut pas en sortir. Et on appelle ça une récession ou même des fois une dépression économique si c'est vraiment grave. Alors, les gens comme moi et toi, on aura la difficulté à trouver ou garder notre travail. Les compagnies, ils tombent en ruine et les pays, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils s'endettent encore plus pour aider le peuple d'une façon ou d'une autre. Mais je te pose une question, SJ. C'est qui paye les factures du gouvernement s'ils s'endettent pour aider l'économie aujourd'hui? C'est toujours le C'est toujours le citoyen. citoyen, je crois. Exactement, c'est le peuple. Le gouvernement, il travaille pour nous. Alors, c'est le peuple qui va le payer. On ne le paye pas aujourd'hui, mais on paye dans le futur. Probablement, les taxes vont augmenter dans le futur et on va le payer. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Tu comprends? Alors, c'est vraiment ce cercle vicieux qu'on rentre dedans et qu'on ne veut vraiment pas rentrer. Ouais, comme ça. Voilà, إذا بوينا لي غوفرنمون سوف عند طاس قدريمان من دمت كان كامديان لكندا 82 مليارون إد سوفاري وكان أتاوان في وشولين أكوذ لي بوتيت زونتربريز هذا كيان أن مومون دوني إل دواف أوسي سورتير دو لارجون بور رولونسي ليكونومي جوز مرضى دينير فيا Oui, tu as raison. Ils aident l'économie pour vraiment relancer l'économie, comme tu as dit, par injecter de l'argent. Mais on ne vit pas dans une crise financière comme on l'a eu dans le passé.
Mais c'est vraiment une crise de santé à travers le monde, tu comprends? Alors les gouvernements doivent faire plus que juste ça. Ils aident en deux façons. Un, et dans ce cas particulier, ils ferment les bordures internationales, comme ça personne rentre, et ils limitent le contact physique de la population. Donc, par exemple, ils ferment les écoles, les gens ne travaillent pas, ils ferment les bibliothèques, les restaurants, etc. Tu comprends? La deuxième chose qu'ils peuvent faire, et c'est ce qu'ils font normalement dans des crises comme ça, c'est ils aident encore à deux niveaux. Le premier niveau, c'est leur politique monétaire. Les gouvernements canadiens, américains et même européens, juste la semaine passée, ils ont baissé les taux d'intérêt à presque 0%. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Comment ça aide l'économie? C'est juste pour forcer les banques dans les nations à continuer à donner des prêts bancaires à des compagnies et à des familles qui veulent, par exemple, acheter une maison. Tu comprends? Au niveau de la politique fiscale, les gouvernements, ils injectent de l'argent dans l'économie. Et c'est de ça que tu me parles. Ici, ils aident les compagnies qui sont dans le trouble, qui vont peut-être tomber en faillite. Et aussi, ils aident les familles qui reçoivent plus d'argent parce que, par exemple, ils ne travaillent pas. Alors, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, ils essaient de vraiment de sortir de ce cercle vicieux que j'ai expliqué. Si je te donne de l'argent, par exemple, à toi parce que tu as perdu ton travail, tu peux continuer à dépenser et on ne va pas tomber en récession ou en dépression, tu comprends. Mais malheureusement, on vit dans un monde un peu différent encore cette fois-ci. Hein. Parce qu'ils ont fermé toutes les bibliothèques, ils ont fermé les restaurants, ils ont fermé. Comme, où est-ce que je vais dépenser mon argent aujourd'hui, tu comprends? Tout le monde a peur. Alors, c'est là que je pense que le gouvernement a fait ce qu'il faut, il fait ce qu'il faut dans le passé, mais je ne pense pas que ça sera assez parce qu'encore on vit dans un monde un peu différent, dans une crise un peu différente. Comme tu as dit, le Canada, il a offert 82 milliards de dollars pour aider ses compagnies et son peuple. L'Amérique, elle a donné 1 trillion de dollars. Et l'Union européenne, je pense, 750 millions de dollars, d'euros, je veux dire, qu'ils ont injecté dans l'économie. Ouais, exact. Tura bɣiɣ ad d-tiniḍ amek imdanen am kečč am nekk am wiyaḍ amek ad nettḥaz la kriz-agi. Donc, je t'ai expliqué qu'est-ce que je voulais dire. Par exemple, ça sera vraiment difficile de trouver du travail. Par exemple, quelqu'un comme moi, je vais graduer de l'université cette année, eh bien, je peux te promettre que ce sera vraiment difficile de trouver de travail dans ces temps-là. Les compagnies ne cherchent pas à engager. Et même si vraiment les choses sont pires, ça sera même difficile de garder ton poste. On l'a vu dans les crises financières passées, les compagnies tombent en faillite et les gens perdent leur travail et vraiment ils tombent en dépression. C'est pour ça qu'on appelle ça une dépression, tu comprends? Si tu as une compagnie, un restaurant, les clients ne vont pas rentrer dans tes restaurants, tes revenus vont être touchés. Tu vas avoir de la difficulté à recevoir des prêts bancaires pour agrandir ta compagnie, je sais pas, acheter une nouvelle machine ou acheter un autre bâtiment ou un autre restaurant, etc. Tu comprends? Un autre problème, le taux d'intérêt, oui, il a chuté. C'est bien parce que c'est un peu moins cher de repayer ton prêt hypothécaire. Mais si tu veux t'acheter une nouvelle maison, tu veux t'acheter quelque chose, une nouvelle voiture, peut-être que la banque ne va pas te vouloir te donner de l'argent, tu comprends? Moi, en tant qu'étudiant, si je suis en 12e année, je suis au lycée, je veux rentrer à l'université, j'ai besoin d'un prêt de la banque pour rentrer à l'université et payer mon étude, peut-être qu'ils vont pas vouloir me le donner si je travaille pas, tu comprends? Alors, dans les deux côtés, oui, c'est bien, mais ça peut être aussi mauvais. Finalement, je t'ai expliqué ça tout à l'heure aussi, les gouvernements empruntent de l'argent aujourd'hui pour aider l'économie. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est qui va payer ça? C'est nous, le peuple. Si on ne le paye pas aujourd'hui, on va le payer demain à travers des augmentations dans nos taxes fiscales. Tu comprends? Alors, ça va affecter ma richesse. Peut-être pas ta richesse, mais la richesse de moi et mes enfants dans le futur. Tu comprends? C'est vraiment un gros problème. Mais encore, il est un peu trop tôt pour dire, pour certitude. On vit vraiment dans un monde d'incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer, alors on doit juste attendre et voir ce qui va se passer. بصح ونظري راه تحكي ثقي ما تعطل لنا وستعطي لا دونك سا ديبون ونظري راه مشى تدرس يا زداد فغير كان هذا اكيد سقسي غدا عني في يون بوحريش عند العباد نغي مزنن سان كل لي فون ميتويل سان ايزون انفستي دون لي اكسيون نغي ايزون دي بلاسمون ان جينيرال توالين لي كونت نسن تصوبون لي كونت نسن Amich, qu'est-ce que tu leur dis
est-ce que tu souffres un idée de la nouvelle qui se demande si nous sommes souffrés ordonnés ou si les placements sont nous? Non, il a pas d'argent au contraire. Je suis désolé d'ordonner. Si tu es déjà investi, la chose la plus pire que tu peux faire, c'est sortir ton argent. Parce que je pense que le mal, vraiment, quand je t'expliquais tantôt, 30% des bourses ont chuté en 3 semaines, c'est du jamais vu. Alors, le grand dommage qu'on ait fait, tu comprends, hein, si tu as déjà perdu, c'est pas grave. Parce que historiquement, même si tu aurais investi dans le point le plus pire dans la chute, tu aurais quand même récupéré ton argent 2 ans, 3 ans après. Après que la crise est passée, tu comprends. Alors, c'est vraiment que tu ne devrais pas avoir peur. Là, une chose que je peux recommander, c'est que si tu as de l'argent sauvé de côté et tu peux l'investir, je te dis oui, vas-y, investis-le. Peut-être ne le mets pas, par exemple, si tu as 5 000, 10 000 dollars, ne l'investis pas tout d'un coup aujourd'hui, mais par exemple, chaque 2 semaines, mets 1 000 dollars, tout doucement, 1 000 dollars, 1 000 dollars, 1 000 dollars chaque 2 semaines. Comme ça, tu rentres tranquillement dans la bourse et je te garantis, à travers 2-3 ans, tu vas voir ton argent même doubler, c'est pas triplé, tu comprends. Alors, c'est tout ce que je peux te dire pour aujourd'hui. Mais encore, comme tu as dit tantôt, on vit dans un monde d'incertitude. On ne sait pas combien de temps ça va prendre pour trouver un vaccin ou même ou quelque chose, l'effet que ça va avoir sur l'économie. Alors, on doit attendre et voir ce qui va se passer. Eh, vrai, une chose avant et d'abord, je vous ai donné plein de mauvaises nouvelles, les taux d'intérêt, les personnes travaillent, la récession. Je vais vous laisser avec une bonne nouvelle. Le prix du gaz, vraiment, il a tombé de 50 dollars, je pense, le baril jusqu'à 25 dollars. Alors, si tu sors maintenant pour t'acheter du gaz, ça va être pas cher. Je pense qu'on n'a pas vu les prix à 70, 75 sous le litre depuis 2000, nama, les années que je suis né en 90. Alors, sortez, remplissez toutes les barils que vous avez à la... On dirait qu'ils ont tout calculé parfaitement pour pas qu'on sorte pendant donc on peut profiter malheureusement. Si vous n'êtes pas obligé, celle de Tassinouen et tout ça, parce que il y a des mesures vraiment qu'on peut prendre, que la Chine déjà a pris, on voit le nombre de nouveaux cas diminuer. Alors il y a vraiment des choses qu'on peut faire si on travaille tous ensemble comme un peuple, on est tous humains et tout ça. Alors on doit venir ensemble pour régler cette crise. Merci Kamasil, vrai que dernière bonne chance. Tak sahar merci de faire d'accord avec ce format d'accord avec Monsieur Lekia. Akaid nous savoir dans ta garant de vouloir t'aider. Ou les dernières vrai round dernière. T'hadar fi man ou natas atas. Nous serons mad nous faire si tu me sers t'aider. Ils gardent nous akan donner le camel. Hadar fi man ou تزمرتي قرزن تنمرتي